On continue. On continue. Alors, il y a un civilian ship qui est en danger. On va les aider. Ah là 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 là! Ah mais non, il y avait un pirate ship, c'est normal. Tout va bien. Ok. Nous allons donc mettre le premier ici. Attendre qu'il tire. L'arme. Bon, du coup, on s'en fout, quoi. Ah, fabuleux. Fabuleux. Par contre, faut arrêter ça. Faut arrêter ça, s'il te plaît. Parfait. Ah là là. Vite, 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 vite. Désactive-moi ces armes. Ah non! Je vais me prendre des dégâts. Je vais me prendre des dégâts. C'est nul. Ah là là. Bis. Yes! Tout va bien. Facile. Il est facile, ce jeu. 17. Non, mais genre, je les aide et ils me donnent pas de récompense. Ils me donnent pas de récompense. Je leur sauve la vie. Ils pourraient me donner une arme endgame que je pourrais installer tout de suite et qui me permettrait de one-shot tous les niveaux jusqu'à la fin. C'est la moindre des choses. À combien vous estimez votre vie? Vous pouvez tout me donner si je vous sauve la vie, en vrai. En vrai, vous avez le choix entre mourir et avoir la vie sauve. Et vous me donnez tout. C'est mieux. De toute façon, si vous étiez mort, vous vous en serviriez pas. Donc voilà, moi ça me paraît normal. L'altruisme, tout ça, ça se paye. On va où? On va là. Alors, ça fait 1, 2 jump, sauf que je pourrais jump là pour aller voir par là. 1, 2, 3, ouais, on va faire ça parce que ça va permettre de voir s'il n'y a pas un distress en haut. Alors, you come across a large trace station. However, as soon as you approach, a warning goes out to all ships in the region. Do not associate with the Federation sympathizer. All who oppose the rebels will be punished. Et nous avons Kikos, Kikos Empereur, qui rejoint la Glou Family. Bienvenue à toi et bienvenue dans la confrérie du dindon. Un grand merci à toi pour le soutien, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Est-ce que je veux acheter des trucs? C'est ça la question. Est-ce que je veux acheter des trucs? Probablement. Cherche un peu. Oh, on sait jamais. Ah là 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 là, c'est un piège! C'était un piège! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux! Du coup, on peut tout faire là. C'est parfait! C'est parfait! Il est tout pourri ton vaisseau. Il est tout naze ton vaisseau. Tu crois que tu me fais peur? Et parfait. Tout va bien. Tout va bien. Ah, on est plus de 100. On a plus de 100. Il nous faut 120. On est pas mal, on est mieux que la game d'avant. Je connais tous les pièges du jeu, écoute ma voix, c'est la raison. Leave it trap. Bah, d'un autre côté, c'est mieux d'avoir fight là. C'était plus intéressant. Ça nous a fait du... Ah, un store. C'est chiant. Ou alors, est-ce que je jumperai pas là dans un premier temps? Combien je peux faire de jump? On va maximiser les jumps, ça me paraît mieux, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ensuite, on va au store. La question, c'est est-ce que je peux faire ça? Je vais être dedans. Ensuite, au store, je vais être là. Et après, est-ce que je peux faire l'unvisited location avant l'exit? Allez, on s'en fout. Ah là là! Ah là 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 là! Qu'est-ce qu'il a, lui? Est-ce qu'il a un drone qui l'est relou? Il a un drone relou. Ça, c'est chiant. Non, mais il faut le dire. Il faut le dire, ça c'est chiant. Faut pas miss là. C'est bon. Alors ensuite, on va donc faire ça. Ah, toi par contre tu peux miss, oui c'est bien. Normalement ça passe, ça passe, ça... Oh c'est magnifique. Alors, accepte les surrenders. Il y a quand même 4 missiles, 4 de fuel et 8. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez?
4 et 8. Pour la première zone, c'est pas si mal. Ah, il y a Yakos qui me dit non. Non, 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 non. Ça se trouve, il y a une reward de ouf. Battle, YOLO, kill. Never surrender. Non, mais c'est eux. Moi, je never surrender, bien sûr. Parentable, achève. Extermination. Bon à savoir. D'accord, ça n'avait rien à voir. We will not accept surrender. Ah là là, au revoir, au revoir. On n'a toujours pas pris un point de dégâts, hein. Je suis très très fier de vous. Hein. Très très fier de vous. Allez, on était... Est-ce que ça va être mieux? Ça c'est discutable. Hein. Ah, 120, on peut acheter notre point de bouclier. Mais on va d'abord aller au store. Qu'est-ce qu'on a? J'aime bien le mind control, mais bon. On s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce que vous en pensez? On s'en fout. Moi, ça me paraît être bien. J'ai rien à vendre? Non, j'ai rien à vendre. On s'en fout et on achète notre point de shield. Même s'il y a des choses bien, mind control, moi, je suis ultra fan. Mais là, c'est pas... Non, le crew téléporteur, il est très très bien, je suis tout à fait d'accord. Mais pas avec un équipage Zoltan. Non, parce que si t'as envie d'envoyer tes Zoltan au combat, faut que tu m'expliques ta logique. Je pense qu'on va rien prendre. Améliore ton vaisseau, ouais, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Le TP avec les Zoltan, c'est du suicide. Exactement. Moi, je dirais améliorer le vaisseau. Je pense qu'améliorer le vaisseau est le mieux. Allez, on s'en va. On s'en va. Avec une clone bay, pourquoi pas. On n'a pas besoin de reprendre de fuel pour le moment. C'est surtout que ça va nous permettre de faire ça, et ça, et ça, et ça. Attends. Non. Tac, tac. Et donc, Kenny qui depuis tout à l'heure est préposé aux portes, préposé au pilotage, devient notre préposé au bouclier. GG Kenny pour la promotion. Bon, t'as été démote dans les portes et tu es promote derrière pour le bouclier. C'est parfait. C'est parfait. Bah, on peut y aller. Je pense qu'on est bien. Là, on est beaucoup, beaucoup plus safe qu'avant. C'est plutôt cool. Du coup, on a tout à fait le temps de faire cet endroit. C'est génial. Très bonne première zone. Bon, pas de nouvel armement. Alors, you arrive at a populated sector. One mechan seems to be mass broadcasting a request for a mission ship to aid him. Shall we respond? Yes, no. Ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque. Mais est-ce que ça sent l'arnaque? Oh, ça sent l'arnaque. On combat et on les défonce. En vrai. Moi, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air très très bien. Yobzipix. Ça m'a l'air parfait. Do it! J'aime ce plan. C'est parfait. Alors, great. I was worried no one would respond. My usual carry is days late. I need to deliver Skagar ground pads to a small station. If you jump from here, we can't afford to pay in as a carry, but they will surely tip you generously. On va pas y aller, mais on va accepter. Ah là là! Elle était où la quête? Ah, elle est peut-être dans le secteur d'après. Bon, j'ai accepté. Oh mon dieu! Oh mon dieu, un ion chargeur qui est gratuit! Comme ça! Alors, combien il prend? 2. Shot per charge, 1. Max charge, shot 3. On s'en fout, c'est de la merde, on va le vendre. Yop, Clart! Qu'est-ce que j'ai manqué? Pff, on a refait le monde! T'as manqué des choses incroyables! Des secrets que je ne pourrais révéler qu'une seule fois dans ma vie et c'est fait, c'est trop tard! Ok. Ok. Jump.
Next Sector. Alors, Uncharted Nebula ou Uncharted Nebula? Moi, je serais assez pour prendre Uncharted Nebula du haut pour aller dans un secteur civil derrière. Alors, 1, 2, 3. Là, on peut se faire ma secteur civil. On va aller en haut. On va aller en haut. Ça m'a l'air très très bien. Et Dieu créa le replay. Exactement. Ok. Jumpons. Ah, la quête, elle est là-bas. Bon, on va aller valider la quête en premier. Hein, c'est le plus important. Ok. Bon, on va l'attaquer. Parce que on a le bouclier Zoltan plus un shield, on est les rois du monde. Quelqu'un a l'avis pour Skyforge, il n'y a pas un clan glouglou. On y a pas mal joué, passé un temps. Khalid, ça a été celui qui a le plus joué, ou presque. Donc il pourra probablement t'en parler. Moi, j'ai arrêté parce que c'est le genre de jeu où j'aurais pu passer beaucoup de temps si je l'avais farmé. Puis au final, je l'ai pas fait. Oh my god, je suis dégoûté. Je comprends, Claire. Je suis vraiment dégoûté. Attaque. Ok. Refuse, résiste. Crie que tu existes. Ah, il y a quelqu'un qui a level up, j'ai pas vu qui c'était. Ah, non, c'est qui? Je sais pas. Mais c'est l'ange démon qui a level up. GG à toi. Alors Kenny, lui, pff, rien du tout. Il a rien appris de rien. Hein. T'es là depuis le départ, tu t'as rien appris. T'es pas attentif. C'est parfait, tout se passe bien. Tout se déroule comme prévu. Oh, 19, c'est beau. Et en plus, on peut investigate the station. Oh là 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 là, 9 et un défense drone Mark 1. Ce qui est, en vrai, ce qui est bien, mais qu'on va probablement jamais utiliser. Voilà. Parce qu'il faudra un drone système. Même si c'est vrai que c'est pas dégueu. Bref. On va jump et on va aller. Est-ce qu'on s'occupe de la quête ou on fait traîner et on fait d'abord ici? On va s'occuper de la quête. On sait jamais. Ah! Ah ah, ça sent l'arnaque. Normalement, on devait arriver et donner les drone parts. Mais il n'y a pas signe de vie. Et il y a quand même un distress signal. Il y a un signal de détresse. Que faire? Et où est la musique de FTL? Oui, je sais que ça retarde les poursuivants. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, Vladeus, il veut qu'on investigate. Donc, on va probablement partir. Je ne sais pas. Vas-y. Ah, vous avez envie que j'y aille. Hein. Vous avez envie de voir des gens mourir. T'es pas une poule mouillée. Ça sent le bordel. Je sais que t'es curieux et que tu vas y aller. Oh là là. Il y a une chance sur deux de perdre un membre d'équipage? Non, c'est pas ça. Non, t'as pas une chance sur deux de perdre un membre d'équipage? Non. Investigate. On va investigate. Allons-y. Oh là 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 là! On a un nouveau membre d'équipage! Mais par contre, faut combattre. Mais on va voir Bormann. Bormann, qui ne s'appelle pas Bormann, c'est son identité secrète. En vrai, qui est-il? Nous le saurons très... Oh non! Il y a des intrudeurs on board! Comment qu'on va faire? Alors, Bormann, il est là. Ils sont où? Il y en a deux ici.
On va l'emmener là, toi là, on va enlever des points en armement, on va mettre ça là. Allez, zou. Voilà, donc ils vont régénérer. Alors, est-ce qu'on gagne ou pas? Et où est-ce qu'il va falloir aller? Ça a l'air d'aller, hein, j'ai pas besoin. Vous avez gagné. Attends, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, donc on va faire ça. Attends, on va faire ça. On s'en fout, lui. C'est parfait. Pourquoi il n'y a plus de points? Ah oui, mais est-ce que c'était du Zoltan? J'ai fait n'importe quoi. Que vous êtes? Vous êtes là. C'est parfait. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller aux portes? Ou oui, aux portes. C'est bien aux portes. Borman est un espion russe. Jetez-le par-dessus bord. Ok. Alors, Borman, aux portes. Ok, on est bien. On est bien. Qui es-tu, Borman? Qui es-tu? Who's that girl? Même si c'est un homme, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est bon. J'ai tout affiché. Nous allons avoir un nouveau membre d'équipage. Qui est-il? Qui se cache derrière les traits de Borman? J'espère que vous êtes prêts. Crane, vu que mon intuition était bonne, je veux mon nom dans cette aventure. Ah là là, Vladeus qui essaye de négocier. Vladeus qui essaye de négocier. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je propose de faire un tirage au sort caché cette fois-ci. En fait, c'est mieux. On va faire un tirage au sort caché. Pour le suspense, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. Et je vais appuyer sur le bouton dans 3, dans 1, dans 2 et... Oh mon dieu! Oh mon dieu, Vladeus a gagné! Vladeus a gagné, c'est le nouveau membre d'équipage! GG à toi! GG à toi, bravo Vladeus! Un grand GG! Bravo! Bienvenue dans l'équipage du Dindon Millennium. J'espère que tu t'y plairas et surtout que tu seras très efficace. Un grand, grand merci à toi. Bonjour Crane, dans ce live qui n'existe pas. Salut à toi, Pépito Poulpe. Menteur, escroquerie, de quoi vous parlez? Je sais pas du tout de quoi vous parlez. C'est voilà. Tricheur, corruption, quel hasard. Glugloubot fait apparaître le gagnant sur le chat, tu peux pas mentir. Est-ce que je peux parler à la place de Glugloubot? Je suis sûr que je peux. Attends. Il y a moyen. Je sais pas comment, mais je sais qu'il y a moyen de faire parler Glugloubot. Bref, c'est pas grave, c'est pas important. L'équité est présente ce soir. Je peux lui cracher dessus quand il arrive dans le vaisseau. J'espère que tu seras vraiment le premier à mourir. Vladeus Borman. Non mais voilà, c'est important en tant que streamer d'être juste. Voilà. C'est important de respecter l'honnêteté, l'équité, tout ce genre de choses. Quelle belle démocratie, on dirait la Chine. Exactement, exactement. Je suis la tristesse. Oh là là. Pistonné par le capitaine. Je sais pas de quoi tu parles. Va des rétro Maracas. Exactement. Alors, Vladeus qui a gagné de façon tout à fait legit. Hein, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Salut Grena Tristan. Je suis pas Vladeus. Ok. Donc maintenant, non. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. Combien de... Bref. Qu'est-ce qu'on fait? On va là. Si on va là, on est obligé d'aller là. On peut aller là derrière. Le mieux, c'est de rejoindre ici. Tout ça, c'est de la nébuleuse. On peut aller par là. On a que 8, par contre. Ça, c'est un petit peu embêtant. Ça a dû passer sous le bureau, mais tellement... Tu veux combien pour me faire rentrer, Crane? Ah, tout de suite. Voilà, tout de suite, ça parle d'argent. Alors que c'est pas du tout mon genre. Et jamais, jamais, je ne vous mettrai comme membre d'équipage pour moins de 100 euros.
plaisante. Le faites pas, hein, déconnez pas. Hein. Déconnez pas trop. Bref, donc, prepare to chase them, c'est parti, on va combattre. Je te remercie, Crane, pour cette arrivée aussi inattendue que fortuite, mais néanmoins très appréciée. Bah, GG à toi, c'est le hasard. C'est le hasard qui a décidé. Moi, j'y peux rien, je peux pas me battre contre des choses comme ça. Tu stream demain soir? Mais oui, je stream. Mais oui, je stream. Je sais pas ce que je stream encore, mais pay to win, exactement. En attendant, voilà, Vladeus, il a bien aidé, donc merci à toi, c'est très très gentil. La corruption par argent, c'est inefficace, faut du fromage. En plus, j'ai fini mon fromage juste avant. Bref, c'est la tristesse. De toute façon, pour gagner, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Crane grâce à un ami d'enfance de sa mère. Exactement. Molfried, il est pas là, il rentre demain. Demain soir, je crois qu'il va stream. Je pense. Allez, on va combattre. On peut pas. Ok, il y a un store, mais on n'a pas de thunes. Donc on va d'abord aller ici. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un téléporteur, mais il a encore mon bouclier à passer. Donc on va dire que, comme d'habitude, je me lève. Ok, on va faire ça et on va désactiver son armement dès que possible. Parfait. Et ensuite un pipe beam. Alors qu'est-ce qu'on va casser? On peut faire ça, mais non, ça ne m'arrange pas parce qu'il n'y a absolument rien qui lui évite de partir. Donc on va dire que Osef. Bon, autant pis, on va faire classique comme ça. Ouais, on va faire ça. C'est parti. Après, je veux pas dire, mais Vladeus, il est aux portes. Hein. C'est pas terrible. Okay. Nuclear Squid qui dit ok, merci Crane. Ah oui, parce que j'ai répondu pour quand je stream. Tu te sens pas sale, Crane? Non, ça va, j'ai pris ma douche juste avant le live, donc tout va bien. Pendant l'un des tirs, je peux donner un coup. Non, ça j'ai déjà lu. C'est pas très gentil, Kenny. Kenny, voilà, il fait partie de la famille maintenant. Il faut l'accepter, même si la façon dont il est arrivé est pour certains un peu douteuse. Ok, on continue. Embêtant. Alors j'ai mal synchro. Et j'ai mal synchro. Donc salut Sly. Salut Chuckly. Et qu'est-ce qu'on a gagné? C'est pas mal ça. Si je vais là. Ouais, je peux aller à l'exit derrière, ça m'embête. Du coup, si je vais là après, je peux pas aller là. Ou alors je fais ça, ça. Ah oui, non, je peux pas après. Ça, ça, ça. Ça, 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 ça. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien. Ou alors ça, et ensuite ici. On va faire ça. Alors on est combien? On est à 9. Ouais, on va essayer de faire un maximum de thunes avant d'aller au store. Ok. Navigating the fog blind, you practically bump hulls with a mantis ship, the ALU. Bah, this transgression will be overlooked. Ok, Nebula very dangerous, next time humans all die. Ah, je suis partagé. Du coup, oui, voilà. Je suis partagé entre le fait de me dire qu'il faut que je les attaque parce que ça fera des ressources, c'est pas très très gentil. C'est un peu moins à l'enfoiré du coup. Eux, ils me préviennent juste. Ah, fire. Ouais, de toute façon, je suis obligé, je suis en hard. Si je veux gagner, je suis obligé de faire ça. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a un téléporteur. Il a... Oh, bon, comme d'hab, de toute façon, ma strat, c'est la même à chaque fois. Je peux faire semblant de faire des strats différentes, mais ça sert à rien. J'en suis pas bien synchro.
Est-ce que c'est vraiment bien ça? Ouais, c'est bien ça. Parfait. Non mais genre. Allez, on est bien comme ça. Oui, le pognon. Bah oui, le pognon. Je sais, je suis obligé. Je suis hard. J'ai plus de thé, pourquoi tu m'as fait ça? C'est pas ma faute. C'est pas ma faute à moi, si j'entends tout autour de moi. Hello Elitea. Ok, parfait. Parfait, parfait. Next! Alors, je peux aller là. Ensuite revenir là. Ouais, c'est génial ça. Ouais, on attaque les pirates, mais on est des malades. On est des malades. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme technique extrêmement différente d'avant? Ah, si j'essayais d'enlever son bouclier pour ensuite désactiver son armement et ensuite faire mon pike beam. Ah bah oui, ça m'a l'air bien. On va faire ça. Salut Azesting. Cette fois, j'ai assez fait. Ok. Alors, nous avons son armement qui est ici. Nous avons ça qui est ici. Donc, alors, je pense, donc je suis, et c'est pas ça que je veux faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, bon, je pense que ça, c'est le mieux que je puisse faire. Oh, ça miss. Oh, il s'est pas visé. Le nul, le gros nul. Ça, c'était nul, par contre. Ça, c'est moi qui ai sucks. Ah, 4, 4, 8. Non, on s'en fout, on s'en fout. On le tue. On le tue. Parce qu'on va avoir, 12. Oh, c'était nul. Oh, c'était nul. Ah, par contre, on voit plein de choses. Donc, on va aller ici. On va remonter là. On va aller là. Ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air très, très bien. Tu joues pas à Isaac? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Non, mais je suis vexé, surtout. Je suis vexé. Ou alors... Ouais, bah si, on n'a pas le choix. Mais je l'ai mis en auto-fire, les ions. Ils sont en auto-fire. With the sun so down, you spend a good deal of time staring at... Oui, non, mais c'est... Le... Ah, bah, mais non, deux fois... Non. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Automated Reloader, qui est très, très bien. Drone Control. C'est pas terrible, hein. C'est pas terrible, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas terrible. Le hacking, mais bon. Non, mais c'est trop cher de toute façon. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on vend? On vend ça. Va falloir acheter ça. Ok. N'a rien à réparer. L'automated reloader peut être intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Et pareil, le drone recovery arm, est-ce que... Ah mais non, c'est pas ça, je dis des bêtises, je confonds. On peut prendre l'automated reloader, qui peut faire une différence sur les fights. 10%, c'est pas dégueu. Je suis assez tenté, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je prendrais bien l'automated reloader. Il y a quoi en page 2? En page 2, il y a les drones. Et de rien de très très bien. Même si la bombe à ion pourrait être intéressante. Les vies laser, ça fait un tir pour un dégât. C'est pas un mauvais truc, mais bon. Ouais, le reloader, il est bien. On va prendre le reloader. On va prendre le reloader. Bon, par contre, est-ce que je vends mon ion chargeur et mon défense drone Mark 1? Ou est-ce qu'OZEF, pour le moment, on les garde au cas où ça puisse servir?
En vrai, je vois pas comment ça peut servir, quoi. Faudrait que je sois extrêmement désespéré pour utiliser ça. Les magasins reviendront, c'est vrai, mais l'automated reloader, c'est vraiment très très bien, hein, quand même. Bon, allez, on va vendre. Hop. Le défense. On doute power. Allez, zout. Allez, zout. J'ai tout vendu. Et j'ai tout vendu. Oh, je vais le prendre. Allez, hop. Hop, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Et le ship, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait augmenter les portes. Ah, bah oui, parce que j'ai plus personne aux portes là. Ah, mais si, j'ai quelqu'un aux portes. Les portes, c'est quand même important. Le pilotage aussi, il faut au moins le mettre à 2. Parce que si jamais tu te prends un de dégâts, tu perds complètement ton pilotage. Beaucoup de choses à améliorer en vrai. Mais bon, pour l'instant, on est plutôt safe. Donc, ce que je propose, c'est de continuer. Alors, le seul problème, c'est que pour continuer, il faut que je passe là. Et qu'est-ce qu'il y a? Lion Storm. C'est embêtant. Est-ce qu'on se fait Lion Storm ou pas? Sachant qu'on peut potentiellement virer 2 en shield. Ça dépend combien il enlève. 1 en... Ouais. Ouais, hop, le moteur, ça peut être bien. Bon, après, il me faut du power aussi. Trop risqué, tente pas. Ouais, mais le seul problème que j'ai... Attends. Jump. Sexy. Faut que je fasse... Après, j'ai que 9. Hein. Je peux faire... Exit. Attends, je suis où? Exit. Ensuite ici, revenir à l'exit. Ce serait le mieux. C'est dommage, on perd pas mal de... Non, le Lion Storm, c'est mal, vous avez raison. Vous avez raison. Donc là, il y a un vaisseau, on va y aller. Ok, on va l'attaquer. C'est parti. Alors, il y a du drone. C'est du drone d'attaque. Qu'est-ce qui nous embête le plus? Là, il y a juste un missile. Donc, on va d'abord mettre ici. Ensuite, on fera en décalé ici. Ah, mince. Ah non, ça destroy. Non, non, ça va, c'est juste pour les combats. Donc. Tout va bien. Ok, c'est parfait. Non, on l'a pas désactivé. Mais genre, ta clignote, t'es désactivé. Ouais, alors attends, comment je peux faire? On va faire... Voilà, comme ça. Vite, 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 vite. Parfait. Non mais non, rien du tout ton FTL. Rien du tout. 5 et 8. Ah, 5 c'est beaucoup. Peut-être accepter parce que j'ai pas masse... j'ai pas masse fuel. Ça peut être pas mal. Je suis assez tenté d'accepter. Oh, il y a toujours l'interrogation de se dire « Ah, ça se trouve, il y a une reward de ouf si on les tue. » On va prendre. On va prendre. Ok, on va faire un jump ici, ensuite on ira là, on sait pas trop ce qu'il y a, il y a peut-être rien du tout, probablement rien du tout. Mais c'est pas grave, ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Voilà, c'était bien, on a perdu un fuel, c'était génial. Ok, et on s'en va, next sector. Alors, Zoltan, oh c'est chiant. Oh du coup c'est des Zoltan, ils vont avoir le bouclier Zoltan tout pareil, ça nous arrange pas du tout. Par contre, il est bon magasin. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'avec mon build actuel, attaquer des Zoltan, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal parce qu'on se retrouve dans une sorte d'égalité et je perds mon avantage. Je perds mon avantage. Donc je serais assez tenté pour refaire une Uncharted Nebula. Ouais, on va faire une Uncharted Nebula.
Ok. Du coup, on peut aller par là, ce qui est un peu con. Mais est-ce qu'on va s'enfermer ici? Non, c'est bon. On va aller donc par là. Ah! Ion Storm. Alors, combien on a perdu? Ça, on peut les virer les deux. Ça fait 1, 2. On le défonce. En vrai, on le défonce. Moi, je pense qu'on le défonce. Mais ils sont juste en train de copuler. C'est un petit peu pas gentil, mais il nous faut des thunes. Il nous faut des thunes, de toute façon. Il nous faut des thunes. À mort, nous dit Oussami. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de cœur. Bute-le. Ça revient souvent, ça, quand même. Hein. Vladeus, dans l'équipage, il est assez violent. Hein. Allez, Zou. Répugnant. Ok, c'est parti. C'est parti. Que choisir entre renommée et pognon? C'est pas facile, hein. Oh bah non, pas le miss. Pas le miss. Ah, 5 et 12. 5 et 12, c'est bien parce que j'en ai que 8, donc on va accepter. En plus, ils étaient un peu innocents. Voilà, c'est parfait. Voilà, moi je leur ai appris, je leur ai donné une leçon. Vous copulez pas en plein milieu de l'espace comme ça. Et c'est le jump. C'est le jump pour aller ici, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est bien, on est un peu plus à l'aise niveau carburant. Bon, attention avec vos majuscules, hein. On va attaquer. Ah, deux. Ah! Il faut pas qu'on miss. On peut avoir des problèmes. Du coup, ça a aucune importance. Ah! Ah, déjà on a foiré. Parfait. On est mal. Ah, il faut absolument. Allez, que les deux touchent. Yes. Du coup, il faut qu'on vire l'armement et du bouclier. Du coup, on va faire ça, on n'a pas le choix. Ok, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien, on est encore. Ouais, tout va à peu près bien. Pas hyper bien, mais. Ok, nickel. Nickel. On va continuer ici. Non, par contre, on va attendre. Voilà. Ok, tout va bien. Tout va bien, on panique pas, on est hyper bien. Cinq, deux, 13. 5 missiles, c'est beaucoup. Il y a 13. Il y en a marre au bout d'un moment. Non, non, moi j'accepte pas. Voilà, donne-moi des trucs mieux. 22 et 1 de fuel, mais c'est génial. C'est génial. On a Mastune. Enfin, Mastune. Qu'est-ce qu'on fait? Ship. Je sais pas quoi augmenter. Augmenter l'esquive, c'est vrai que c'est bien. Parce que l'esquive. Est-ce que. Non, c'est peut-être mieux que j'augmente rien pour le moment au cas où il y a un choc de ouf tant qu'on n'est pas vraiment en danger. Mais c'est vrai que je ferais bien. Ah, mais attends. Attends, si je peux faire undo. Je ferais bien ça plus. Ça nous ferait gagner combien? 10% de dodge. Je ferais bien 2 de plus en esquive. L'esquive, ça veut dire garder plus longtemps. L'esquive, ça veut dire garder plus longtemps notre shield Zoltan. Porte et pilotage. Porte, j'ai déjà plus 1, faut pas oublier. Pilotage, c'est vrai qu'il me faudra 1, mais c'est important pour la fin, c'est pas obligatoirement important pour tout de suite maintenant. J'hésite, hein. J'hésite. De l'esquive pour garder plus longtemps le shield Zoltan ou garder la thune pour essayer de trouver un meilleur armement. Ce qui va être important au bout d'un moment. Et j'ai peur qu'on soit bloqué. Par exemple, on tomberait sur un ennemi avec 3 de shield. Bon, on pourrait rien faire. On pourrait absolument rien faire. Attends un peu. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. On va attendre. En plus, il y a un store juste là. Avant de faire le store, on va aller ici, ensuite au store. Ok. Ok.
Oh, il y a son FTL qui charge. Je pense que ça va pas être jouable. Je pense qu'il va partir avant. À moins qu'il reste le temps de deux. Ah, il va partir. Je peux pas, j'arrive à baisser son deuxième bouclier. Ok, ok, c'est notre chance. Yes, c'est bon, c'est passé. C'est passé, on est bon. Par contre, armement, ça va pas. Ah, j'aurais dû, j'étais con. Ouais, mais c'est plus safe. Tout va bien, c'est bon, c'est passé. On n'a toujours pas pris un dégât depuis le début. Hein. C'est assez la classe. 128. 128. Oh, on peut avoir le clocking, je crois que c'est 120. Jump. Store. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. Alors, Evillon, Evi Laser, Zoltan Chin Bypass, Long Range Scanner à Kingston. Fait pas rêver tout ça. Le Evillon, il fait quoi? Mais je crois qu'il est bien ou il est pas bien. Recap Power 2, Yon Damage 2. Mais c'est 13 secondes. Non, c'est pourri. C'est le Evillon 2 qu'il faut, c'est ça? Je sais jamais. Il y en a un qui est très très bien. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de bien. Le lance-missile serait bien. Oh, un breach, ça... Mais non, il coûte 3. Comment tu veux que ce soit bien? Ça passe le shield, les missiles, je me souviens plus. Je crois que oui, hein. Ça passe pas le shield Zoltan, mais ça passe le shield tout court. C'est sûr que je pourrais switcher du power, mais pour casser potentiellement quelque chose. Non, je pense qu'il est pourri, le shop. Je pense qu'il est pourri. Parce que, ok, là c'est 13 secondes pour 2 de dégâts, alors que là, si je ne mets pas de bêtises, c'est 6 secondes pour 1 de dégâts. 8 secondes, ouais. Non, les scanners, oui c'est bien, mais c'est pas la priorité, je pense. On a 12 de fuel, donc je pense qu'on n'a pas besoin d'en acheter. On va donc se balader un petit peu plus. Allez, tout là-bas. Où est-ce qu'on va en premier? Voilà, et puis on monte là, et puis là, et puis là, et puis là, et puis... Ou alors... On va aller là. Oh là là. Oh là là, ça va être embêtant. Ou alors on achète une no weapon pour 45 scrap. Ça pourrait être marrant. Est-ce qu'on est joueur, est-ce qu'on n'est pas joueur? Alors, si on l'ignore, est-ce qu'il nous attaque pas d'ailleurs? Je crois qu'il nous attaque si on lui achète rien. Je pense que le seul moyen qu'il nous attaque pas, c'est de le frapper, de lui acheter son arme. Et là, on risque de prendre très très cher, je pense. Random pour les hommes. C'est pas hyper cher. Ça peut être une bonne arme. Pif une pilule, c'est ça. Et c'est surtout que on est mal s'il faut le... Achète. Bon, tout le monde va acheter. C'est parti. Ils nous ont rien donné. Je savais pas. Ils nous ont rien donné. Bande d'enfoirés. J'ai envie de les défoncer du coup. Je suis obligé, mais je vais perdre masse point de vie. C'est mon ego là qui parle, c'est mon honneur. Tu as compris, tu viens d'économiser 72 années d'études en école de commerce. Ma vie est nulle, la mort par décapitation. Ouais.
Ils vont me défoncer. Ils vont me défoncer. Venge-toi. Allez. Ploum, 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 ploum. Est-ce que le Pike Beam il fait des dégâts? Oh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ok. Alors ça va pas du tout. Comment? Ah oui, je peux pas avoir l'armement et le machin. Je peux pas tout avoir là. Et il faut que je vire l'armement. Du coup. Non, je peux. Le seul moyen. Non, je peux pas. Tant pis pour le bouclier. Oh, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Donc là, on va se prendre. Voilà. Aïe, 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 aïe. Tout va bien. Non, mais tu n'utilises pas ton FTL. Tu peux pas. Tu peux pas. Ça sert à rien de me dire ça. Tu peux pas. Ah, 4. Aïe, mais non, mais jamais. Je m'en fous. Vous pourrez me donner un truc de ouf. Je vous défonce. Je vous défonce. Voilà. Et rends-moi mes 45 scraps. Rends-moi mes 45 scraps, con de jeu. Et je viens de leur donner. Je viens de leur donner. Me dis pas, ça y est pas, pouf, magie, ça a disparu. Je viens de leur donner, tu me rends mes scraps. Tu me les rends. Tout de suite. Foutage de gueule. Foutage de gueule. J'ai pris mes premiers dégâts. Il m'a défoncé, quoi. Envie 3 points de vie, quoi. Enfoiré. Tristesse. T'as détruit le vaisseau, rien du tout. Il me proposait moins avant. Tac, tac, ou alors tac, 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 tac. Oui, ça va y aller. Tu dis pas, il a fait la même fin que toi dans Life is Strange. Cool! Je suis hyper content. Hyper content pour lui. C'est qu'il avait bon goût. Ok. Alors, ça c'est bien ça. C'est classique. Un de bouclier, on est bien. C'est l'armement qu'il faut désactiver. Ouais. Ah mince. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'il faut pas qu'il puisse s'enfuir. Parfait. C'est bon, on est bien. On est bien. J'ai oublié ça. Parfait. Bon bah voilà, on est revenu à peu près où on en était. Tristesse, on pourrait avoir 42 plus. Ok, donc ici ça sert à rien. Faut donc aller ici. On va faire gaffe au fuel. Ah, oh, 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 se calme. Bon, bah là du coup ça sert à rien. Oh, si on va tirer sur les shields et je défoncerai le reste avec ça. J'aimerais bien qu'il esquive pas. Oh, j'hésite du coup, je vais peut-être faire ça plutôt. Ouais, je mise tellement. Ah là là! Ah là là, on est mal! On est mal, on est mal. Je peux rien faire de toute façon. Il faut absolument. Ouais, yes! Allez, 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 allez! Ah non, le. On est mal. On est mal. Alors, Kenny, il faut que tu répares à la vitesse de la lumière là, Kenny. Kenny, tu déconnes pas. Aïe aïe aïe. Ah là 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 là, c'est les portes, on s'en fout, mais Vladeus il a pris plein la mouille. Plein la mouille. Oh non!
Il y a quelqu'un qui est rentré. Ah, il attaque Kenny. Et Kenny, il est mal. Et il peut pas se heal. Comment on va faire? Là, on peut plus miss. On s'en fout des portes. Ouais. Tant pis, on va faire ça. Ok, Kenny, tu vas aller là. Et pourquoi ça tire pas? Tout va bien. Tout va bien, pas de panique. Ouais, non. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ok. Kenny, tiens, tu vas les réparer parce que c'est toi qui fais les shields, il faut que tu up. Oulala, oulala, oulalalala. Allez, il faut réparer cette brèche dans le continuum espace-temps. Ok. Ça c'est qui? C'est Vladeus. Retourne aux portes. Oui, mais je veux pas que tu répares. Ce sera Kenny qui va devoir réparer. Ok. Ok. D'accord, Loïs Gab. Ok, ok. Parce que tout le monde est vivant, oui. Kenny, go réparer. Crois en toi. Ce jeu n'empêche. Regardez comme on arrive à gérer du début à la fin et en un fight qui peut nous arriver. C'est tellement, tellement punitif, FTL. Quand est-ce que tu up? Mais en fait, non, mais t'es nul. C'est pas Kenny qui est au bouclier? Si, c'est Kenny qui est au bouclier. Ouais, mais c'est vrai que le bouclier, il est jamais tapé, donc c'est pour ça que tu up jamais. Referme cette porte. Merci. Ok, alors pourquoi... Hop, voilà, c'est bon. Jump. Alors, où qu'on va? On peut aller là. Du coup, ouais, on peut aller là-bas derrière. Comment on la joue? Je suis où? Je suis là. On est ici. Hein. J'ai oublié de remettre des points, mais c'est pas très grave. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mm-hmm. Ok. C'est pas très très bien tout ça. Et là, si je veux faire, non, je suis obligé de faire des allers-retours. Donc on va partir malheureusement. C'est quoi ces trois sauts qui servaient à rien? Dis-moi, jette ton fuel par la fenêtre aussi pendant que tu y es. Putain, c'était pas bien cette fin. Civilian, civilian. Moi je propose de prendre civilian. Ce sera toi que je choisirai parce que j'ai décidé que t'étais mieux que l'autre et c'est comme ça. De toute façon, c'est mon stream, je fais ce que je veux. Là. Voilà. Je peux pas y aller. Ah mince, c'est là. On est là. Ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Il faut d'abord aller chez les slugs. On n'est pas si avancé que ça. On va avoir du contrôle mental, mais avec le bouclier Zoltan, ce sera parfait. Continuons. C'est en plein débat sur Chloé, hein. Mais il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On peut aller là, on peut aller là, on peut aller là. Bon, on va aller là. Voilà, très très bien. Ok. C'est... Alors, Oslog Transport Ship Station is a beacon of military escort ship. They message you. We have been waiting for a customer for ages. Care to see OS? Est-ce que je vais encore me faire arnaquer?
Non, mais je m'en fous d'avoir le jeu en français. C'est chiant pour vous, quoi. Mais est-ce que je vais encore me faire arnaquer? C'est la vraie question. Parce que la fois d'avant, ça m'a laissé un petit goût amer. La mort pour eux. J'aime pas les slugs en plus. Achète. Ouais. Mais je crois que le seul moyen, c'est de demander de voir, de rien acheter, et c'est là qu'ils nous attaquent. Un truc comme ça. Bon, on va voir, on va demander, on verra bien, on verra bien. De toute façon, vous êtes occupé à discuter autre chose. Tu vas te faire saboter et aborder, mais c'est pas grave. Ah non, cellule! Fais confiance au jeu, ne combat pas. Vendredi 13, faut faire quoi? Faut que je dise quoi? Decline? Ça coûte rien cette fois-ci. Vous êtes pas clair. Je ressens une vive animosité à mon écart, je tenais à vous informer. Salutations respectueuses et cordiales. T'es dans ton coin, t'es aux portes, tu fais ta vie, t'as des magazines. Y a pas de bonne ou de mauvaise situation, exactement. Que savoir si l'héroïne peut supporter d'avoir condamné une ville et sûrement plus. Mais moi, je le vivrais pas bien. Mais je serais en accord avec mon choix. Je pense pas que je déprimerais par rapport à ça. Y ait des magazines. M'aidez pas beaucoup, hein. Vous n'avez rien à foutre, hein. Il est déjà 4 heures, hein. Je vais aller me coucher. En vrai, il est 5 heures. Quelqu'un qui a dit que je peux me faire aborder. C'est des slugs, ils vont pas m'aborder. Ça aborde pas des slugs. Bon, je vais jouer tout seul, allez. Pff, je vous parle plus. Vas-y. Ah si, je me suis fait aborder. Ah là là. Ah là là. Alors qu'est-ce qu'il est où? Pourquoi j'ai plus de... Comment je fais? Et ils sont où les intrus? Allez, allez Vladeus! Non mais non, Théo. Ok. Du coup. Mais il est tout seul. Il veut faire quoi? Ah mais du coup, non, c'est nul. Il faut absolument que je laisse un gars là pour le FTL. C'était qui, c'était HDMI? Je crois que... J'ai pas d'armes. Je fais quoi? Je fais quoi? Je vais me coucher? Mes armes? Rends-moi mes armes! Pourquoi j'ai pas d'armes? Réparer la caméra, ouais. Pas forcément ma priorité tout de suite maintenant, mais. Tiens, Vladeus, va réparer. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Non, j'ai demandé des explications. Il y a des gens qui ont balancé une phrase comme ça. Il n'y a personne qui m'a vraiment donné le cheminement.
Préparez-vous. Kenny. Je peux jump. Je peux m'en aller. On est vivant. On est vivant. Tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de soucis. Pas de soucis, tout va bien. C'est parfait. Non, toi t'es full vie, toi. Je dis, mais ouais, non, toi reste là-bas. La DE se retourne là-bas. Et toi, voilà. Et le Never Surrender. Bah, j'ai pas Surrender. Tu l'as vu où le Surrender à Faraf? Voilà, voilà. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Il met presque autant de bonne humeur que Isaac. Pff, qu'est-ce que tu veux faire? Salut, Don't Panic. J'aimerais bien aller dans des endroits qui montent plein de nouveaux. Non, ça non. On peut aller là, là. Ensuite là, 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 là. Là, 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 là. Non, ça c'est nul là-bas. On va aller là. Ah, puis j'ai plus de fuel. Oh, j'avais pas vu, j'ai plus de fuel. Non, moi je vais boire. On va boire. On va boire avec... Eh, il nous propose à boire. On est obligé. On est obligé de boire un coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'on est obligé de picoler. Au pire, on meurt en picolant. C'est une belle mort. C'est une belle mort. Pendant ce temps, Crane et Zoltan n'ont pas reset à Maggie. Ouais, on va picoler. Je pense que tous les membres d'équipage sont d'accord. On va picoler. Vas-y, bois, picole. Parfait. Allez, c'est parfait. On picole. C'est génial. Ah là, on a perdu 30. C'est parfait. C'est parfait. Il y a un store. J'y vais même pas, je m'en fous, j'ai plus de fuel, mais c'est pas grave. Voilà. Attaque, vas-y, voilà, 3. Voilà, parfait. C'est parfait, 3 shields. Ah, faut qu'on tape pour de vrai. Tiens, attends, vas-y, regarde. Hop, voilà. C'est, ah, ils ont mis en plus. C'est génial. Ah là là, et ça miss, on n'arrive pas à l'enlever plus d'un bouclier. Ah là là. Ah là là, c'est le décès. Attention, le décès arrive. Le décès est proche. Ah, plus qu'un shield, on peut les avoir. On y croit, sauvetage de dernière minute. Ah non. Ah mais non, leur shield. Ah là là. Ah là là, si c'est bon. Oh là là, cette victoire, vous allez voir, ça va être une victoire de ouf. On n'a plus d'oxygène. On n'a plus d'oxygène, comment on va faire? Je ne sais pas. Kenny, va réparer l'oxygène, sinon on est mort. Vas-y, Kenny. Accept zero firm, mais rien du tout. Rien du tout. Crevez dans votre vomi. Voilà, parfait. Parfait, facile. Facile ce jeu. On va réparer les caméras aussi. Ah, peut-être, il est où le... Pourquoi? Attends, ah oui, c'était à cause de ça, ok. Je ne comprends. Je viens de comprendre. Parfait. On est bon, il y a un store. On y va pas, c'est nul les stores. On va aller là d'abord, ça a l'air mieux. Ça a l'air... Ah mais on peut pas. Non, bon, on va aller au store là. Bon, je sais que j'avais 4 tuiles sous la main, mais j'ai fait exprès de combattre. Je veux mourir là, tu le comprends? Tu le comprends, Yakos, que je vais aller me coucher?
Oh, il y a un Yombless 2, oh, vous êtes méchant. Vous êtes méchant, il y a un Yombless 2, c'est trop bien. Voilà, un Yombless 2, c'est génial. Charge time 4 secondes, le truc de malade. De malade mental. Voilà, on peut le mettre. Est-ce que ça a un intérêt en vrai? Parce que ça tire toutes les 4 secondes. Donc 2 toutes les 8, c'est exactement pareil tant que tu rajoutes pas un autre truc. Ça change rien en vrai. En vrai, ça change rien. Mais on s'en fout. Voilà. On a une arme de ouf qu'on peut mettre. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Attends, on va faire ça, comme ça. Comme ça, voilà. Voilà, c'est génial. Hop. Voilà. Et c'est ainsi que l'équipage du Dindon Millennium se retira suite à un voyage épique et collégramme. Et voilà. Jeu de merde. Faut en avoir deux, exactement. Faut en avoir deux. Mais c'est quand même bien. Un toutes les 4 secondes, je pense quand même que c'est mieux que 2 toutes les 8, même si tu peux les décaler pour faire un tir toutes les 4 secondes. Non mais là on est bien. En vrai, Kenny, HDMI, l'ange démon, Dethan et Vladeus, ils veulent pas mourir. Donc là, ils sont en train de se dire, bon, on va rester un petit peu à cette station. Ils vont essayer de trouver des petits boulots. Parce que c'est quand même une grande station et du coup bah voilà, il y a des fast-food, il y a des trucs comme ça, donc ils peuvent bosser pour économiser un petit peu, pour réparer le vaisseau, puis après ils iront peut-être ouvrir une agence touristique, pourquoi pas faire des petites croisières à bord du Dindon Millennium, ça pourrait être très très bien, c'est un autre plan de carrière, mais c'est une vie honnête et voilà, pourquoi pas fonder une famille aussi, hein. Déjà peut-être qu'il y a des affinités entre certains membres d'équipage, j'ai vu Vladimir Deus et Kenny se regardaient amoureusement. Au début, ils se sont insultés, mais maintenant, je sens une certaine tension, limite une tension sexuelle entre eux. Donc voilà. Voilà. Je pense qu'il faut leur laisser leur chance et en leur permettant de rester un petit peu à bon port et voilà, de construire un petit peu leur vie sur place, peut-être qu'ils oseront dépasser toutes les barrières qu'on peut voir dans un premier temps. Voilà, je pense que c'est important. Donc vivez heureux, vivez votre vie comme vous l'entendez. Ne vous fiez pas aux regards extérieurs, juste ce que votre cœur dit est le plus important. Qu'est-ce qu'il y a, Vladeus? C'est du roleplay, c'est ton personnage. Rentre dans le jeu, hein. Tu rentres dans ton roleplay. C'est tout. Plutôt crever les yeux. Ça, après, c'est toi qui vois. Voilà, on va mettre... Attends, t'es où, Kenny? T'es là. Tiens, regarde, viens ici. Voilà, discutez un petit peu entre vous. C'est important, Vladeus et Kenny. Voilà, mettez les choses au clair. C'est important. Moi, je vends des morafs, c'est comme des loot, mais ça pousse dans le sol. Roleplay pour tous. Exactement. La morale dans tout ça, les enfants, c'est d'aller se coucher. Moi, je veux pas, désolé, mais non. Voilà, Vladeus qui n'assume pas. Hein, voilà. C'est dommage, il faut savoir écouter son cœur. Voilà. Il faut savoir aller au bout de ses rêves. Kenny choisit la mort, respecte son choix. Ah là là, Vladeus. Vladeus qui a tendu un piège à Kenny. Mon Dieu, il a bloqué la porte et... Et là, ah là là, et là, il n'y a plus d'oxygène. Kenny, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, mon Dieu? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe comme prévu. Oh mon Dieu! Vladeus, il a tué Kenny! Espèce d'enfoiré! Voilà, c'était le mot de la fin. On ne pouvait pas partir sans tuer Kenny, je suis désolé. Voilà, Vladeus qui a trompé. Qui a trompé Kenny, qui lui a fait miroiter des choses pour juste le tuer à la fin. C'est d'une tristesse.
C'est d'une tristesse. Voilà, on a confiance. On a confiance en l'espèce humaine. Encore une fois, le Zoltan, les espèces extraterrestres qui sont pleines de bonnes intentions face à la race humaine qui est une race, il est vrai, corrompue et sans aucune âme, sans aucun cœur. Voilà. Bref, c'est fini. C'est fini. Elle est où la porte? Elle est là. Ah non, tout est ouvert. Non, il faut fermer. Oh, c'est bon. Ah là là. Ah là. Va-t-il récupérer l'oxygène assez rapidement? Oui, c'est bon, Vladeus ne mourra pas. Vous voyez, hein, il est rentré sur le vaisseau par des moyens détournés. Et en plus, il tue un membre d'équipage. Moi, je le savais de base qu'il fallait pas lui faire confiance, à Vladeus. Mais vous étiez là. Oui, prends Vladeus. Vladeus en membre d'équipage, etc. Vous arrêtiez pas de me bassiner avec ça. Donc, je me suis sorti forcé. Et finalement, ça s'est retourné contre nous. Donc, la prochaine fois, ce serait bien que vous jugiez un petit peu mieux les futurs membres d'équipage. Voilà. C'est... Bon, je vous le reproche pas vraiment parce que je vous aime bien quand même. Je sais que vous êtes pas parfait. Du coup, je sais que ça peut arriver de faire des erreurs. Donc je vous pardonne. Je vous pardonne, voilà, parce que je suis pas objectif, parce que j'ai des sentiments quand même assez forts pour vous. Vous êtes très très proches. Et si jamais je gardais ça, on n'avancerait plus et ce serait la tristesse. On lancerait les streams. Vous sauriez jamais si je suis vraiment honnête dans mes propos, si je pense vraiment ce que je vous dis ou si au contraire à la moindre occasion, en fait, ce serait pour vous lancer une petite pique ou autre. Bref. Voilà, c'est important. C'est important de dire ce qu'on pense sur le moment, de lâcher comme ça, lâcher prise, lâcher les informations et de passer à autre chose derrière. Donc voilà, je vous pardonne. Je vous pardonne. Voilà, je vous pardonne. C'est important. Je vous pardonne. Et je vous aime aussi, beaucoup. Mais pas trop non plus. Beaucoup, mais pas hyper énormément. Genre, je vous aime bien. Je vous aime bien comme... un peu moins que le fromage. Mais bon, je vous aime bien quand même. Presque autant. Et je parle de bon fromage, hein, parce que du mauvais fromage, ça, je vous aime plus. Je vous aime plus que du mauvais fromage. Et ça, c'est pas rien. Parce que le mauvais fromage, il est quand même bon à la base. Vachement moins bon que du bon fromage, mais bon. Enfin, voilà. Je vous aime un peu moins que Chloé aussi, mais j'aime beaucoup Chloé, donc pareil, c'est encore une comparaison qui n'est pas forcément évidente, mais et par exemple Maxime, je l'aime moins, donc je vous aime plus que Maxime, mais moins que Chloé, c'est déjà pas mal, moi je trouve, enfin bon. Après, par contre, pour le chocolat, je suis assez partagé. Parce que j'aime bien le chocolat, mais pas tant que ça. Du coup, est-ce que je serais prêt à me sacrifier et à arrêter le chocolat pour vous? Il y a de grandes chances que oui. Mais pareil, il faut voir, parce qu'il y a le chocolat noir, il y a le chocolat blanc, il y a le chocolat au lait, il y a le chocolat avec des noisettes. Il y a peut-être des catégories de chocolat qu'il est important de mettre en avant. Et peut-être que certaines de ces catégories de chocolat, bah voilà vous, peut-être que vous auriez pas de chance, mais je sais pas, dit comme ça. Parce que le Galak, quand même, il y a un dauphin dessus. Et un dauphin, c'est hyper mignon. Donc est-ce que j'ai envie de sacrifier un dauphin pour vous? Là, je sais pas, ça demande réflexion, faut que j'y réfléchisse. Je passe une nuit là-dessus, par exemple.